chacun a pu vivre une percée froide, mais agréable. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut retenir, qu'il faut positiver. Il y a un cérémonial qui est là depuis la première à Poligny en 97 et qui n'a pas beaucoup évolué parce qu'il est, il est très reconnu et très bien imaginé. Donne-nous de nous réjouir de la bénédiction que tu accordes à notre vigne et daigne le bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin de la vie éternelle. Va jusqu'au lieu de la percée proprement dite, avec les ambassadeurs en grande tenue, avec les confréries derrière, avec les officiels, les vignerons, et ensuite on passe à la cérémonie de la percée, où là c'est le parrain avec le président de la percée qui sont en charge de mettre le tonneau en perce. Les caveaux sont ouverts, la fête débute et c'est la percée qui commence pour les visiteurs. Très bien, super, nickel, merci. C'est pas Jean-Luc Mélenchon ? Ah ben où ce papa ? Santé, belle journée. Alors ça c'est quelqu'un de prévoyant. On cherche le soleil surtout là. Bon week-end. Ça se passe bien là? Ah, mais j'ai. Ouais, on adore! Voilà. Vive la fête! Vive la jaune! Maman, je t'aime! Chanchon, bisous! Bisous! Ma bise! Thank you.
général, les gens qui étaient présents étaient satisfaits, les viticulteurs sont satisfaits, les associations sont satisfaites. Et bien, ma foi, on a vécu une percée normale à Cramant hier. Et ça, c'est finalement, avec toutes les craintes qu'on avait, et bien, c'est une crainte qui n'était pas vraiment fondée, parce que ça fait le bonheur de tout le monde. Mais depuis que je suis arrivé, j'ai fait que rigoler. La spécificité, c'est surtout de retrouver tout le monde, parce qu'on était content de retrouver tout le côté ambiance de cette fête de la percée, et puis de retrouver ce village de Cramant où on était déjà venu. Moi pas, mais j'ai trouvé ça très sympathique, une belle décoration en plus. La décoration, bah, ils ont eu 2 ans, donc ils ont eu le temps de préparer la décoration avec tous les bénévoles, et le maire m'a dit que ça avait été assez enthousiaste, puisque tout le monde s'y était mis, et il pense que chaque habitant a fait un petit quelque chose. Donc c'est quand même très très bien pour Cramant. Il faut regarder dans les jardins, parce que même certains ont ouvert les jardins, il y a des personnages, donc il y a vraiment du détail et c'est vraiment une belle décoration aussi à Cramant. Oh bah vive la percée du vin jaune et aussi féliciter toute l'équipe de décoration. Ça va faire 2 ans qu'on est après. Vive la percée du vin jaune. Peut-être qu'on l'a. 3. Vive la percée du vin jaune. Bah voilà. 1, 2, 3. Percée du vin jaune. C'est pas du rouge, c'est pas du blanc, ça ne vient pas des côtes du Rhône, mais c'est le meilleur des remontants. J'ai trinqué avec Laurent Girard, mais par rapport à certains prédécesseurs qui disparaissaient le samedi après-midi, c'est pour ça que je suis embauché, parce que je bois très peu d'alcool. Donc finalement, je peux tenir le choc sur la journée, voire le week-end. 160 euros, c'est là. 170, 180, ici en salle. 180 en salle devant moi. 180. 180, c'est lui, on a du juge. 180 jugé. And we were very much liking it. It's delicious. We'll be coming back. Yes, we're very happy. Great, good. Vive la percée du vin jaune. Hier, ça s'est super bien passé. On a eu beaucoup de monde. Voilà, ouais, 8000 personnes le samedi, c'était bien. Oh là, ouais, oui. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas faite, donc on est content de revenir. Et puis de voir un petit peu les gens, ça leur manquait, je pense. On les a sentis voilà, heureux d'être là avec nous. Écoutez, très bonnes impressions, beaucoup de monde hier, et malgré la neige, et aujourd'hui, certainement pas mal de monde, avec le soleil. Donc, une bonne ambiance, du monde, des personnes qui sont contentes de se retrouver après ce temps, cette période de Covid, là, donc ça fait du bien, on change les idées, avec un bon verre de vin jaune. Voilà, super percé. Dimanche, c'est un moment privilégié où il y a moins de monde, et où les
caveaux sont plus disponibles, les vignerons sont plus disponibles, la restauration est plus accessible, les exposants sont plus accessibles, et les gens qui ne souhaitent pas une grande foule, qui souhaitent profiter pleinement, eh bien, il faut peut-être qu'ils se disent que maintenant c'est le dimanche qu'il faut y aller, parce qu'il y a des conditions de fréquentation un peu moindres, mais qui au contraire bonifient la présence de ceux qui sont présents le dimanche. On se retrouve à Voiteur hein, en 2023 et je dis vive la percée du vin jaune.